Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du DLC de The Last of Us. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà. Après un épisode sympa, avec beaucoup de rapprochements, on se retrouve ici, on essaye de retrouver Joël, et on se fait une nouvelle fois attaquer par ces saloperies d'humains. Hein. Toujours le plus gros du problème. Il y a des briques et des bouteilles. Ah non, c'est pas des briques. Donc peut-être que ça va ici. Presque. Je vais devoir faire le tour. Ah d'accord, on est au bon endroit, mais il faut faire le tour. Okay. C'est de là qu'on était parti. Ah bah vous savez quoi? On va sûrement ressortir par... Voilà. J'espère que tout le monde a compris. L'endroit où il y avait un espèce de mannequin sur un bureau. Où j'avais dit que c'était bizarre. Ok. Il y a des bruits, hein. Ok. Ok, le mode écoute, hein. Ils sont tous immobiles. Ils sont tous immobiles. Je sais pas si je peux... Attendez... Tous immobiles? Bonne ou mauvaise idée? Ce qu'on va essayer de faire, c'est en buter peut-être un... Putain, c'est des humains! Hey, vous avez trouvé quoi dehors? Absolument rien. Tiens! Qu'est-ce qu'il nous dit? Entre tuez-vous, les nazes. Non, qu'est-ce que tu fais? Il y a des infectés! Mais prends ta putain de bouteille! Waouh. Oh là là, vas-y que je vis à côté. Hein. Okay. Hello? Voilà. C'est ça. Ok. Bah ça va. Ça va, mais intéressant ce gameplay de des humains plus désinfectés. Très intéressant. Oh, le secret du casier! Mais c'est dingue! Y'a rien! Ok. Y'a jamais rien là-dedans. Bon, je mets un tout petit peu de soin. Je crois qu'il y en avait d'ailleurs. J'ai quand même pris une balle ou deux. Mais globalement, ça s'est bien passé. Je suis satisfait de mes soins. On va faire le tour pour récupérer peut-être un maximum de munitions. Hop. Voilà, par exemple. Hein. Ou des flèches? Avez-vous des flèches? Tac 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 tac. On va peut-être recrafter. Attends, mais ça s'en est ça. Bon, et effectivement, le mode écoute hein, fait quand même beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est clair. Mais peut-être même trop. Peut-être même trop. J'ai bien aimé justement faire ce let's play. Enfin. Avec du recul, j'ai bien aimé le faire en utilisant pas beaucoup le mode écoute parce que je m'en souvenais plus. Ça donne une autre, un autre sens quoi, un autre niveau de difficulté. Du coup, le mode réaliste pour ça,
est sympa. Et des flèches. Oh là là, c'est parfait ça. Bon, bien sûr, le mode réaliste, hein, tu te prends une balle, tu meurs, enfin voilà, mais... Et puis tu n'en trouves pas à tous les coins de rue. Mais le mode écoute en moins, je trouve ça intéressant. Pfff, fumigène. J'en ai un, quoi, je vais pas en refaire un. Je passe par là où ils sont passés. Oh là là, il y a masse de flèches. Énorme. Énorme. Not bad. Oh, je pense que c'est bon. À moins qu'il y ait une porte qui... Non. Il n'y a pas l'air d'avoir de porte qui pouvait s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ces photos ? Attention, mauvaise surprise. Non, tout va bien. Ah, alors là, tu peux choisir quel format, tu vois. Le grand format, là où tu vois bien les défauts. Et le petit format. Là où tu vois les défauts, mais pas trop. Bon, alors, est-ce qu'on débarque dans le truc où il y avait le mannequin? Eh bien, point du tout. De toute façon, on est un étage trop haut, là, non? Je sais plus. Ah si, là-bas c'était... American Princess, yeah. Ah ok, donc il suffit de descendre. En courant, bien sûr. Il y a des gens morts. Hé, j'entends ce putain de cheval derrière. Aidez-moi à ouvrir ça. Putain de cheval. J'ai pas envie qu'ils nous attaquent. Oh là là, il y en a partout. Ils vont le trouver. Je dois faire quelque chose. Vite. Et si je balance un molotov sur eux? C'est pénible. Qu'est-ce qui me voit? Non. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit qu'on pouvait recommencer. Ça ne va pas, là. Oui. Je pensais que c'était obligatoire... de buter ceux qui sont en bas. Mais non, hein. Alors, je propose d'aller sur la droite, parce que je pense vraiment qu'il y a ce chemin qui est important. Je dois faire quelque chose. Vite. Mais attention à celui de gauche là qui m'a vu. Voilà, voilà, là ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais vous voyez, au moins je me laisse pas mourir. Ellie, tu dois faire quelque chose. Ah, oh, mais il y en a beaucoup. Ah non, mais. C'était quoi? Putain, mais il y a des gens qui sortent de nulle part. Ouais, je crois que ça commence à venir. Continue. Ah. Bon, ok. Je vais recommencer parce que je vais mourir, mais... Je vais tout donner. Faut utiliser les bouteilles. Non, ok. Non, ça va pas. On va utiliser les bouteilles. Les bouteilles et les briques. On va essayer de faire ça bien. Donc... Ils ont pas le temps de me voir, ils meurent avant. Et ça n'interpelle personne, hein. Ellie, tu dois faire quelque chose. Ça n'interpelle personne. C'est ça qui est beau. Ah si, homme à terre.
A une jambe en moins, il est mort. Il est mort d'un cancer dans la jambe. Où êtes-vous? Merde, merde. Eh, je m'approche, hein, fais pas genre. Je vais regarder de ce côté. Ouais, ouais, fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Alors par contre, dans l'escalier là, enfin dans l'escalator... Ah, ah. Ok, ok. Salut, ça va. Pas fast lui, hein, pas fast. Genre il est pas mort, l'autre était avec son cancer de la jambe, il est pas mort. Lui il se prend une flèche, j'ai pas vu où j'ai tiré mais... Il s'est pris une bonne flèche quand même. Et figurez-vous que je n'ai toujours pas utilisé ces foutues bouteilles et briques. Où en sommes-nous? N'hésitez pas à vous paquer. Comme ça, je vous envoie un truc. Ils sont bien énervés là à courir de partout. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que j'entends là? Moi j'ai envie d'aller en face là, il y avait le mannequin magique. Ils font pas de bruit, hein, c'est fait exprès, mais bon. Attends, si je fais du bruit moi. J'ai trop envie d'essayer un truc, mais... Oh, j'y arriverai jamais! Je gère cette porte. Mauvaise idée. C'est trop loin. Choper la cabine et trouver le lieu. Je m'occupe de l'aller là-bas. Le cancer de la jambe! J'ai l'impression qu'il en reste plus qu'un. Ah! Oh! Oh, j'ai utilisé un petit peu le mouvement du gars. Qui reste? Je crois que c'est bon, ok. Je suis pas sûr, hein. On va aller voir du coup en face parce que j'ai vraiment l'impression qu'on peut visiter ce bâtiment alors qu'on ne pouvait pas avant, donc c'est beau. Et j'ai cru qu'il y avait des gens dedans. Où est mon mannequin préféré? Salut. Ah bah voilà. Là où on s'habille. Lorsqu'on nous sommes un homme classe. Comment ça s'appelle? Fletcher and Clarks. Since 1956. 1956, quoi. Bonne année, bonne année. Oh, regardez ça, voilà, regardez toute cette classe. Toute cette classe. Ah oui, 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 je confirme, je confirme. Shoes, ah. Ouais. Ah, la classe est là. Attendez. Bref, je crois qu'on s'en fout, hein. Je crois que c'était ça. Ouais, il me semble. Je crois qu'on s'en fiche. Mais est-ce qu'on peut tirer dans les mannequins? Ah, ah, ils ont la tête dure. Je
suis full vie, je suis bien. Ah, peut-être dans les cabines d'essayage. Bien, c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé cette visite. Encore des flèches. Je crois que je suis plein. Non. J'ai eu un peu peur. Près de la porte. Merde, on la tient cette fois. Butez-moi ça. À côté, à côté. On a tiré à côté. Il en reste deux. Oh oh. Qu'est-ce qu'il vient de jeter, le mec? Attends, y a un problème, monsieur. Je veux dire, ça peut s'arranger, hein. Monsieur? Vous êtes combien? Vous êtes combien, là? Hop là! Tu veux marcher dans le feu de ton pote, là? Attends, ok, planque-toi, là, planque-toi, on fait n'importe quoi. Planque-toi, planque-toi, planque-toi. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Ok. Il me reste 4 flèches et il me reste... Ah, je sais pas. Je sais pas combien d'ennemis. Quoi, j'avance? Y'a personne là? Putain, mais quel idiot. Nice! C'est peut-être un qu'on avait déjà blessé là parce qu'il a pris très cher tout de suite. Cours, ma fille, cours, 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 cours. Salut. Je suis vraiment ravi, je suis vraiment ravi. Vraiment, vraiment. Oh là 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 là. Ok, 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 ok. La deuxième manche a été un petit peu merdée. Voilà. Ah, mais vous vous mettez là? Okay. On est à la manche 2,5 en fait. Oh ma terre! Attends, mais vous vous remettez. C'est bizarre. Ils sont de nouveau devant la porte là-haut. Ça ne me plaît pas du tout cette histoire là. C'est maintenant ou jamais. Un peu raté, je crois. Oh merde, il y a des infectés. Il y a des infectés. Tu entends, il y a des infectés. C'est pas le moment de taper les humains. Des infectés. Vous m'avez vu? C'est vraiment problématique, en fait. Si vous m'avez vu, vous comprenez. Tu veux pas marcher dans le feu au lieu de me saouler, toi? Oh, il a lâché des flèches. Putain, mais vous êtes combien là? C'est dingue! Derrière toi! Oh, derrière toi, monsieur! J'ai plus de bouteille, tu vas me dire. Ça y est, briques. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. S'il en reste d'autres, je vous conseille pas d'essayer de me piéger. Ou vous finirez comme vos potes, c'est compris? Ouais! Fusil de chasse. Ouais. Fusil de chasse. Non, j'ai pas. Je veux les flèches juste à côté. Ça va déclencher la scène.
Non, mes flèches! Vas-y, bloque la porte! On s'en bat l'œil. Ça va pas tenir longtemps ton bras en plastoc là. Vas-y. Trouve-moi un truc pour la tenir, je la tire. Dépêche. J'ai pas le temps de souffler, hein. Soulève un peu. Ok, fonce. Bah là, faut re-enlever le truc, en fait. Prenez. On run. Ouais, je suis là. Ouais, je suis juste derrière toi. Continue. Comment ça? Comment ça? C'est bon. Wow. Aide-moi. Viens. Les escaliers. Comme les quoi, elle avait déjà fait ça. C'est notre porte de sortie. Infecté. À droite. Il y en a derrière aussi, ici. Cours. Il se rapproche. Bordel, viens par là. Ça va, m'attends pas. Il y a une fenêtre ouverte. On y est prêt. Super votre zone de quarantaine, hein, les gars, hein, par contre. On est bien d'accord qu'on est encore dedans, là. Plus haut, je t'attrape, je vais tomber. Donne-moi la main. C'est bon. Ellie, ton bras. Non. Fais pas. Je sais ce qu'il faut faire. Je suis pratiquement experte. Presque. Garde ton calme. Du calme. Il y a plein d'autres trucs que tu peux casser là-bas. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? De mon point de vue, on a deux options. Option 1. Rapide et indolore. C'est la solution de facilité. Je suis pas très fan de l'option 1.
deux... On se bat. On se bat pourquoi ? On va devenir des monstres de toute façon. On a failli mourir des millions de fois jusqu'ici. Et on a un million de façons de mourir d'ici demain. Mais on se bat. Pour chaque seconde qu'on peut encore passer ensemble. Que ce soit 2 minutes... ou 2 jours. On ne leur laisse pas ça. Je veux pas leur laisser ça. Je crois... qu'on va juste attendre là. Tu sais, on peut... se la jouer romantique et perdre la boule ensemble. Et l'option 3. Désolée. Allez, tirons-nous d'ici. Ok. Je pensais que ça durerait... qu'il y aurait une ou deux scènes en plus. Surtout avec le fusil de chasse, en fait, ça m'a laissé l'impression qu'il allait encore avoir un combat derrière. Mais ok. Donc voilà, cette fameuse scène de la morsure des deux. En fait, on voit pas la mort de Riley. C'est ça le truc. Je pensais qu'on allait vraiment arriver au moment où Riley meurt dans nos bras et nous, on se rend compte qu'on se transforme pas. Et ça va pas jusque là. Ou peut-être après le générique, mais... dans le jeu principal, il n'y avait pas de scène après, mais... Eh bien, en tout cas, ce DLC est vraiment cool. Vraiment, c'est le même gameplay, donc... ça fait un petit flashback. Ça raconte le truc qu'on avait vu. En plus, on pouvait passer totalement à côté dans le jeu principal avec cette médaille, parce qu'on a fouillé ce sac. Enfin, quand je l'avais fouillé, j'aurais pu le rater, en fait. Quand on avait trouvé cette médaille. Donc c'était intéressant, justement, de revenir là-dessus. Et il y a des gens qui ont dû, du coup, découvrir complètement ça sans l'avoir vu dans le jeu principal. Enfin, je sais pas, c'est marrant. Et j'ai bien aimé aussi le gameplay. On n'avait pas eu ça dans le jeu principal, ou alors je m'en souviens même pas. Vraiment, oh, des toutous. Oh, les dogos. Les dogos, ça me fait penser que j'ai oublié de pet the dog dans le gameplay principal. Il y a un moment avec le chien de Tommy, je crois. J'ai oublié de le caresser. Ouais, ce moment humain contre infecté. Puis toi, t'es avec. Du coup, tu veux qu'ils s'entretuent pour diminuer leur nombre et ensuite tuer ce qu'il reste. La musique s'énerve. Eh bien, c'était très cool. Voilà, c'était très cool. On va voir si par hasard il y a une petite scène après, mais bon, j'y crois pas trop. Et du coup, ça met fin au let's play de The Last of Us. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose, ou alors c'est pas aussi important que ça. Et maintenant, j'ai très envie de savoir la suite, voilà, enfin, surtout la suite du jeu principal, parce que le DLC, du coup, revient sur un épisode pendant le jeu et avant le jeu. Et du coup aussi, ça c'était intéressant, c'est-à-dire que je pensais que lorsqu'il s'est fait empaler, on s'est tout de suite occupé de lui assez facilement, et on s'est retrouvé dans le jeu comme ça en hiver, mais il y a effectivement tout un truc entre. En même temps, c'est normal, l'ellipse était vachement longue, donc oui, il y a forcément un truc entre. Et maintenant, voilà, j'attends la partie 2, The Last of Us partie 2, qui sort dans quelques mois. Je suis content d'avoir fait ce jeu maintenant pour pas avoir plusieurs années à attendre. Je compatis à votre douleur, ça me rappelle l'attente de Kingdom Hearts 3. Et moi, j'aurais pas eu à attendre autant. Donc ça me fait plaisir, mais en tout cas, je suis très impatient de voir ce jeu, de voir la suite. Je vais pouvoir maintenant regarder des trailers et comprendre ce que je vois. Parce que je crois qu'on joue Ellie plus tard, voilà, je sais pas trop combien de temps plus tard, mais bon, il y a quand même cette notion de... Bah, on aurait pu peut-être sauver l'humanité avec un vaccin, mais il fallait se sacrifier. Est-ce que ça se trouve, ça n'aurait pas fonctionné, donc voilà. Et puis maintenant, il faut trouver peut-être une autre solution. Et il y a eu cette histoire de mensonge que Joël a fait à Ellie, je ne sais pas comment ça s'est passé ensuite, parce que
Ça va forcément, ça s'est forcément su. Je veux dire, c'est pas un truc que tu pouvais taire. Il y a des lucioles qui étaient encore vivantes, qui auraient pu raconter ce qui s'est passé, quoi. On n'a pas buté absolument tout le monde. Et le fait qu'on ait tué Marlène, enfin, ça... Voilà, on va devenir un paria, enfin, Joël, en particulier. Ellie, je sais pas, oui, Ellie aussi, mais... Enfin, voilà, j'ai envie de savoir la suite, vraiment. Parce que, du coup, il n'y a pas la fin, en fait. Ça s'arrête pas... Y a pas une fin de scénario, t'as l'impression vraiment qu'il manque la fin du jeu, et du coup, vous avez dû attendre, et attendre, et attendre, et attendre. Bref, on va laisser le générique passer, voire même passer la vidéo. T'en vas pas. Non, et on retourne là. Voilà, donc le mode normal et le mode facile, donc comme pour le jeu principal, je me souviens que j'avais dit « Oh, quoi, comment ça, mode facile ?» Mais il y avait le trophée normal avant. J'espère qu'en faisant passer le générique, je ne passe pas des scènes, mais maintenant, c'est trop tard, voilà. Donc, on va quand même retourner sur ce jeu pour l'espace d'un live, ou plusieurs si je m'en sors, mais au moins un pour tester, s'amuser en mode réaliste. Et puis, on a aussi une nouvelle partie plus. Voyons voir s'il me dit de quoi il s'agit. Ah, nouvelle partie plus, déjà, je ne peux pas faire avec les modes que je n'ai pas débloqués. Ça, c'est intéressant. Si je fais réaliste, là, ça démarre tout de suite. Ah, il m'explique pas. Auto-sauvegarde sera désactivée. Ouais, t'inquiète. Mince. Ah, d'accord, j'ai pas sauvegardé, donc ça... D'accord. Très bien, bah ça relance le game. Oublions ça. Mais en tout cas, je peux lancer la partie en réaliste. Parce que quelqu'un m'avait dit qu'il fallait que je fasse d'abord en difficile, ensuite comme ça. Mais je peux lancer. Bon, on se retrouve bientôt pour un potentiel live test sur le mode réaliste. Merci d'avoir suivi ce let's play, ce DLC, c'était vraiment très cool de suivre vos commentaires après coup, après toutes mes erreurs, et c'était aussi une expérience, voilà, de le faire en entier avant, enfin vraiment en entier avant de le sortir. Ça a des bons côtés, ça a des mauvais, parce que du coup je n'ai pas vos retours, je ne peux pas corriger des erreurs monstrueuses, mais bon, j'ai aussi aucune influence de votre part, et ça a un autre style, voilà, il y a du bon, du mauvais, et de temps en temps, c'est intéressant. En particulier, du coup, sur des jeux... calme-toi, par contre, voilà. Sur des jeux qui sont déjà sortis. Comme ça, je n'ai vraiment aucun spoil, parce qu'il y a toujours des gens qui spoilent alors qu'il ne faut pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Merci encore. À bientôt.